quel est le statut juridique qui est le plus adapté, non pas à votre profession, mais à votre profession et vos besoins. Donc dans quelques instants, on va pouvoir commencer le petit PowerPoint que je vous ai préparé, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que le plus important, ce n'est pas de convaincre aujourd'hui, c'est de vous amener à réfléchir. Le plus important, ce n'est pas de convaincre, de vous convaincre, mais de vous amener à réfléchir avec cette conférence. Donc, je ne vais pas chercher à enfoncer un clou, je vais juste vous tendre le marteau pour que vous puissiez, vous, trouver la bonne solution, celle qui vous convient le mieux. Et puis, normalement, on doit faire comme ça, je crois. S'approcher. On est censé viser, ah voilà, entre les deux yeux du monsieur qui est dans la cabine. Voilà, donc le plus important, ce n'est pas de convaincre, mais d'amener à réfléchir. C'est une phrase de Bernard Werber, qui est un écrivain et que j'adore beaucoup. Tous ceux qui suivent mes formations, vous devez la connaître forcément. Allez, on perd pas de temps, on y va. Quel est le meilleur statut pour un coach sportif? Quel est le meilleur statut juridique? J'avais envie de vous présenter ce PowerPoint de façon un peu différente de ce qui se fait d'habitude. Et Evelyne, tout à l'heure, a dit un truc qui était extraordinaire. Elle a dit, nous ne sommes pas tous... Vous n'étiez pas là? Je vous rappelle qu'il y a quand même un chèque de 500 euros à gagner. Hein. Evelyne a dit tout à l'heure, nous sommes tous différents. Et aujourd'hui, j'ai mon idée de ce qui est le statut le meilleur pour un coach sportif, c'est-à-dire celui où on va gagner le plus d'argent, celui où on va avoir la meilleure protection et celui où on va payer le moins d'impôts possible. Mais réellement, il y a quand même des différences entre vous et moi. L'idée, c'est déjà dans un premier temps de vous présenter un petit peu les besoins que vous pouvez avoir quand vous êtes coach sportif ou quand vous allez être coach sportif pour ceux qui sont en formation, parce que vous êtes déjà presque coach sportif, vous avez déjà un pied dans l'activité, et puis pour tous ceux qui un jour voudront, parmi vous peut-être, devenir aussi coach diplômé. Alors certains d'entre vous, et ça, ça va nous aider à trouver le meilleur besoin, certains d'entre vous ont prioritairement un besoin d'être bien protégés. Bien protégé. Qui parmi vous aurait éventuellement ce besoin qui serait prioritaire? Alors, je ne dis pas un besoin secondaire, hein. Je dis un besoin prioritaire. Qui parmi vous aurait envie d'avoir dans sa profession, oui, certains d'entre vous, d'être bien protégé pour sa famille, pour ses enfants, pour une protection globale du foyer? Personne? Non, donc tout le monde s'en fout en fait. Oui, merci. Merci bien. Ça va vous intéresser dans quelques instants, mais ce n'est pas tout. Restez attentifs. Pour d'autres, et ça je sais que vous la kiffez à mort, certains d'entre vous ont envie de bien gagner leur vie, d'avoir beaucoup d'argent. C'est un besoin. C'est un besoin. Et je sais parmi vous qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très très loin du premier rang et qui gagne déjà très très bien sa vie. Parce qu'il avait envie d'être peut-être comme ceci. Et il a réussi à le faire. On ne le citera pas, mais c'est un copain qui est là et qui avait probablement, alors être riche, ça peut être mal perçu, mais bien gagner sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est bien gagner sa vie. Qui parmi vous, sans complexe, hein, entre nous, il n'y a personne qui regarde derrière. Qui parmi vous aurait envie, et ça serait votre priorité, de bien, mais vraiment bien gagner sa vie? Qui, honnêtement, en toute honnêteté? Oui, c'est d'ailleurs peut-être pour ça, merci, que vous avez fait ce métier. Et c'est vrai que dans le métier, on a des personal trainers, ou on a des coachs animateurs de cours collectifs. J'aime pas le terme animateur, c'est plutôt éducateur dans mon langage et pour mes étudiants. Et pour tous ceux que je forme, c'est plutôt éducateur. Mais néanmoins, c'est vrai que j'en vois souvent qui gagnent mal leur vie. Et pourtant, la France est un paradis fiscal. On en parlera probablement dans quelques instants. Et certains ont du mal à en vivre de leur métier. Peut-être parce qu'ils ont choisi le mauvais statut juridique. Et d'autres arrivent à bien gagner leur vie. J'ai par exemple, là c'était cette semaine, j'ai un coach, un personal trainer, hein, qui est sur Toulouse, qui est là aujourd'hui
qui n'est peut-être pas dans l'assistance, non, il est peut-être dans la foule là-bas, qui m'a annoncé avoir atteint en recettes, en tant que personal trainer, 222 000 euros de recettes. Et je vous promets que c'est vrai. 222 000 euros de recettes. Donc certains, ça fait plus de 10 000 euros par... ça fait plus de 15 000 euros par mois à peu près. Hein, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que certains d'entre vous vont bien gagner leur vie et d'autres peut-être un petit peu moins. Et ça, bon. Donc certains d'entre vous voudront être plus riches, d'autres auront comme besoin de ne pas se prendre la tête, en ayant un job qui est un job cool. Un job où on n'aura pas d'administratif, un job où on n'aura pas de charge sociale à gérer, un job où on viendra faire son job, son travail, et puis on n'aura pas de compte à rendre trop d'un point de vue administratif, vous voyez, tranquille, relax. Peut-être que certains d'entre vous sont comme ça. Est-ce que certains d'entre vous sont un peu comme ça, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête? C'est pas péjoratif ce que j'ai dit, hein. On a le droit, hein. Voilà, t'as pas envie. Eh bien, vous avez raison. C'est un besoin parmi tant d'autres. C'est votre priorité. Vous allez avoir une réponse dans quelques instants, je vous promets. Et puis, il y a d'autres profils. Oh là! Ceux qui n'aiment pas être seuls dans leur métier. Bon, eh bien... Ne pas être seul dans son métier, c'est pas seulement avoir peur d'être seul, c'est aussi parfois avoir besoin des autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous avez un projet, qui est par exemple la création d'un centre de coaching privé, eh bien il se peut que vous n'ayez par exemple pas suffisamment de moyens pour pouvoir accéder à votre projet. Ça peut arriver, des moyens financiers ou des moyens matériels. Un local, ou tout simplement du matériel que vous pourriez amener dans votre local pour faire ce centre de coaching privé. Ou bien tout simplement pas assez d'argent. Ou peut-être pas assez de compétences. Il se peut très bien que vous n'ayez pas toutes les compétences pour pouvoir ouvrir un centre de coaching privé et pouvoir réussir. Exemple, vous êtes un excellent technicien. Et majoritairement, tous ceux qui sont formés aujourd'hui et qui ont un diplôme comme le BPJEPS, le DUST, le CQPALS ou les licences pro remise en forme, je ne vous ai pas oublié Orsay. Hein. Eh bien, il se peut que vous soyez de très très bons techniciens, mais de mauvais chefs d'entreprise. Eh bien, vous aurez peut-être besoin de ne pas être seul dans votre projet et de vouloir vous associer avec d'autres personnes qui ont le même projet que vous, mais qui ont des compétences complémentaires aux vôtres. Exemple, quelqu'un qui n'est pas du même secteur d'activité, mais qui aimerait bien ouvrir un centre de coaching, et qui sait comment gérer une entreprise. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans ce cas-là. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas-là ? Oui ? Pareil, tous les deux ? Vous allez peut-être pouvoir vous associer, non ? Si vous avez des compétences complémentaires. Voici donc la dernière, tout dernier besoin que j'ai pu synthétiser. Être libre tout simplement. Certains d'entre vous veulent être libres. Est-ce que certains d'entre vous veulent être libres ? Ouais ! Excellent, merci. Ça veut dire que si on résume, si on fait quelques statistiques rapides, la majeure partie d'entre vous veulent être riches et libres. C'est bien ça ? Vous allez y arriver, hein ? Vous allez y arriver. Le plus important, c'est d'y croire et d'avoir un focus et de se dire « Je reste toujours sur mon envie. » Continuez avec votre cœur. Si vous avez une envie, il faut continuer à travailler sur cette envie, encore et encore. Vous rencontrerez peut-être des échecs, mais restez focus. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, et un jour, vous arriverez probablement à réussir vos projets. Parfait. Quel est donc le meilleur statut ? Oups, pardon. Quel est donc le meilleur statut juridique qui va pouvoir répondre aux différents besoins que vous m'avez évoqués et pour lesquels vous avez voté ? Alors, ceux qui n'ont pas levé la main, je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être d'autres raisons, non ? Ceux qui n'ont pas levé la main ? Vous avez peut-être le bras cassé, l'arthrose ? Non ? Vous êtes peut-être un peu timide ? Dans le secteur d'activité. Madame.
la passion. Et donc, ton meilleur besoin, c'est de transmettre. D'accord. Et ton besoin numéro 2, alors ? Si on devait le mettre par ordre. Et le numéro 2, transmettre la passion. Voilà. On est deux dans ce cas-là. Et le deuxième, ce serait quoi ? Ouais. Par rapport aux différents besoins, peut-être que l'on a vu. Donc la liberté. Parfait. Donc c'est le numéro 2. La liberté. Eh bien, je vais vous présenter maintenant, en fonction de ses besoins, les statuts qui vont aller le mieux avec. Allons-y. Hop, hop. 1. Le statut de salarié. Ça, vous le connaissez, hein. La majeure partie d'entre vous savent ce qu'est un salarié. Vous avez différents types de contrats de travail, CDI, CDD, à temps complet, à temps partiel. Vous avez une fiche de paye, vous avez un contrat de travail, et vous recevez, en échange de votre travail, c'est-à-dire de votre présence, un salaire. Bien. Deuxième type de statut juridique, c'est le statut d'associé. Associé d'une société commerciale. Alors vous en connaissez peut-être plusieurs des sociétés commerciales. La SARL, la SASU, l'EURL, la SAS. Alors si ça ne vous parle pas trop, c'est pas grave. Dites-vous simplement que ce sont des sociétés où soit vous êtes à deux au minimum, soit vous êtes tout seul. Mais ça reste une société commerciale. Alors si vous avez envie d'être associé avec quelqu'un, ce sont ces deux-là. La SARL, que vous connaissez probablement, et la SAS, la Société par Action Simplifiée, qui est une sorte de société anonyme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Société anonyme qui a évolué, qui s'est perfectionnée, qui s'est bonifiée. Ensuite, vous pouvez décider, comme statut juridique, d'être travailleur indépendant. Qui parmi vous est, par exemple, micro-entrepreneur ? Qui parmi vous ? 1, 2, 3, d'accord. Ouh, vous n'êtes pas nombreux, hein. Vous n'êtes pas très représentatifs. Et pourtant, en France, ça commence à monter en flèche. On l'a vu les années précédentes sur ce type de conférence. Qui parmi vous est salarié ? Qui ? Salarié, pareil. Ok, on compte les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage là-dedans. Vous êtes salarié aussi. Hein. Bon, ok. Qui parmi vous est en SARL ? Ouais, ok. Qui parmi vous est en SASU ? Qui parmi vous est... Merci. Qui parmi vous est en EURL ? Parfait. Et qui parmi vous est sur la dernière, la SARL ? Ah. Non, pas de SARL. Ok. Si, SARL. Parfait. Merci. Eh bien, en tant que travailleur indépendant, on peut retrouver également la micro-entreprise qu'on appelait avant l'auto-entrepreneur. Et on a gardé néanmoins ce terme d'auto-entrepreneur dans les esprits. C'est pour ça que je l'utilise encore, pour ne pas perturber. Parce que vous savez que l'humain a du mal au changement. Ça se rappelle effectivement le fait de sortir de sa zone de confort, la résistance au changement. Alors, c'est pour ça que je parle de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur, ou d'auto-entreprise. Et puis, vous avez aussi un régime, un statut juridique que l'on ne connaît pas vraiment quand on est auto-entrepreneur, c'est le régime du réel, pardon. Le régime du réel, c'est après l'auto-entrepreneur. Certains d'entre vous le savent déjà, depuis le 1er janvier 2018, vous avez un plafond pour l'auto-entrepreneur qui avant était de 33 200 euros et qui est passé à combien ? Combien ? 70 000 euros. Bien. Ça veut dire que si vous dépassez les 70 000 euros de recettes, vous êtes obligé de sortir du régime de l'auto-entrepreneur pour passer au régime du réel. Et ça, ce régime du réel, il a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il permet de déduire tous ses frais professionnels. Alors que, en micro-entreprise, vous ne pouvez pas les déduire. Et vous le savez, hein, vous ne pouvez déduire aucun frais professionnel. Alors là, certains se relèvent et disent « Oh là, j'ai une question à poser pour la fin. » Et vous pourrez les poser, bien évidemment. Le régime du réel permet justement, lorsque vous avez dépassé ce plafond, ou avant, parce que ça peut être une option, on n'est pas obligé d'attendre de dépasser le plafond, permet notamment de pouvoir déduire tous ses frais professionnels. Si vous devez vous déplacer en voiture, vous pouvez déduire vos frais de route, vos frais de carburant,
l'usure du véhicule, l'usure des pneus, l'assurance de la voiture. Mais bon, si par exemple vous décidez d'acheter les dernières Nike, pardon, on a dit une marque, désolé, les dernières chaussures avec la virgule souf à la mode, eh bien, en tant que micro-entrepreneur, vous ne pouvez pas les déduire, vous les avez achetées, vous les avez dépensées, vous ne pouvez pas les déduire, mais en tant que régime réel, vous pourrez les déduire. Vous pourrez déduire vos repas, vous pourrez déduire vos fringues, vous pourrez déduire vos stages, vous pourrez déduire vos formations et plein de choses encore. Donc souvenez-vous que parmi les options que vous propose le statut de travailleur indépendant, vous pourrez choisir dans la micro-entreprise. Moi, je vous conseille de l'apprendre déjà dans un premier temps lorsque vous vous lancez. Commencez doucement, commencez par la micro-entreprise et ensuite décidez lorsque vous avez pris votre envol, éventuellement de passer au régime réel. Est-ce que certains d'entre vous sont au régime réel? Ce qu'on appelle la 2035? Oui, régime réel. Ta société est... En fait, tu cherches à m'embrouiller, là. Donc, tu es en déclaration contrôlée? C'est ça? D'accord, je comprends bien. Certains d'entre vous sont au régime réel? Ouais, ouais. Ok, bah oui, forcément. Eh oui, il y en a des que je connais, hein. Alex? Pas encore? D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des besoins. Être libre, être protégé, être riche. Et puis, on a fait aussi le tour des statuts juridiques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire matcher les deux ensemble et savoir, parmi les différents besoins qu'on a évoqués tout à l'heure, quel est le régime qui sera le plus adapté en fonction de ce besoin. Attention, c'est parti. On le fait sous forme d'Oscar, hein, la remise des Oscars. J'aurais pu faire la remise des Escars, parce que vous êtes tous assis depuis très longtemps. Mais on va faire Oscar. Pour ceux qui n'ont pas compris la blague, vous viendrez me voir à la fin, je vous l'explique. Merci. Est nommé Oscar de la meilleure protection sociale, c'est-à-dire les enfants, la famille, si vous êtes malade, si vous devez un jour partir à la retraite, si vous êtes, si vous perdez votre emploi, c'est-à-dire avoir notamment le droit au chômage, hein, Pôle emploi, et puis aussi à la mutuelle, etc., etc., etc. Eh bien, d'après vous, parmi les différents régimes que je vous ai présentés juste avant, en tant qu'associé, en tant que travailleur indépendant, en tant que salarié, quel est, selon vous, parmi ces régimes, celui qui est le meilleur au niveau de la protection juridique? Parce que certains d'entre vous cherchaient la protection juridique, d'après vous. Salarié, qui dit mieux, une fois, deux fois? Attention, le meilleur statut, bravo, c'est le statut de salarié. Bah oui, c'est le statut où vous êtes le plus protégé. Eh oui. Et ça, je pense que vous l'aviez tous deviné, non? Vous avez de l'arthrose au niveau des cervicales? Probablement. Bon. L'Oscar de la meilleure, enfin, l'Oscar qui vous permet d'être, d'avoir les meilleurs revenus, d'après vous, parmi tout ce qu'on a vu. Lequel? La déclaration, c'est-à-dire le travailleur indépendant, c'est une réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres, d'après vous? Allons-y. Le statut de travailleur indépendant, et on le sait très très bien. Souvent on dit que la France, on a envie de partir parce qu'on ne gagne pas bien sa vie, parce qu'on est fortement imposé, parce que nous les coachs, c'est faux. Nous les coachs, on est dans ce qu'on appelle une niche fiscale, un paradis fiscal. La France est un paradis fiscal pour les coachs qui sont travailleurs indépendants et qui savent faire les bons choix. Je vous promets que c'est vrai. La preuve, je l'applique à moi-même. Et tout ça légalement, je préfère le préciser. Ça fait donc 15 ans que je ne paye pas d'impôts de façon légale. C'est fou quand même, non? Alors, ayant fait expertise comptable en plus de coach sportif, c'est-à-dire en parallèle, ça aurait été quand même relativement dommage de ne pas utiliser mon cursus d'expertise comptable pour pouvoir appliquer toutes les lois qui existent. Mais bien évidemment, quand vous êtes en cursus
BPJEPS, Ghost, licence professionnelle remise en forme d'Orsay, je vous ai pas oublié. Ou CQPALS éventuellement, on ne vous l'apprend pas en formation. Parce que ce n'est pas dans le programme de formation, vous le savez très très bien. Si vous voulez mieux gagner votre vie, c'est-à-dire payer moins d'impôts en ayant des revenus qui sont plus importants, privilégiez les bonnes options en tant que travailleur indépendant. L'Oscar de la tranquillité est attribué à qui d'après vous ? Quel statut juridique permet d'être relax ? Lequel ? Réchauffe ? La micro-entreprise ? Qui d'autre ? Associé ? Salarié ? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh bien, le meilleur statut, si vous avez envie d'être cool et de ne pas vous prendre la tête, hein, c'est tout simplement d'être salarié. Voilà. Parce que si on est associé d'une société, forcément, on va avoir des obligations légales. Faire une assemblée, donner des comptes au greffe du tribunal de commerce, renvoyer des déclarations de TVA, faire la compta, etc. Alors qu'en tant que salarié, vous faites votre boulot, vous recevez votre fiche de paye et votre chèque ou votre virement à la fin ou quelques billets sans fiche de paye. De temps en temps. Non, mais en tant que salarié, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Ça ne vous empêche pas de bien travailler. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, vous n'êtes pas contraint à avoir des obligations. Oscar de la collaboration, vous l'aviez deviné, c'est... Je t'ai vu bailler. Hein. L'Oscar de la collaboration, quand vous n'avez pas envie d'être tout seul. Oui, voilà. Bien, d'être en société, d'être donc associé avec quelqu'un. Quelqu'un qui aura des compétences différentes des vôtres. Bon. C'est bien. Et l'Oscar de la liberté alors ? Il est attribué à qui ? Quelle est l'activité qui vous permet d'être libre ? Le ? L'indépendant et qui d'autre ? Ouais, pourquoi pas, hein, ça peut être une réponse. Ouais, hop là, c'est pour éviter la marche. Qui d'autre ? Rien ? Indépendant ? Oui ? Non ? Oui. Ah, c'est effectivement d'être indépendant. Alors certains d'entre vous auraient pu dire, c'est aussi d'être associé, d'être dans une société commerciale. Mais attention, parce que quand vous êtes associé avec quelqu'un, vous avez des comptes à lui rendre aussi. Hein. Et lui a des comptes à vous rendre. Hein. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Être en société, c'est être marié quelque part. C'est pareil. C'est un lien. C'est comme si on était marié avec son associé. Il va falloir faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Alors que quand vous êtes travailleur indépendant, si vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous n'allez pas travailler, vous en subirez les conséquences tout seul. Si vous avez envie de beaucoup travailler et faire plus de 35 heures par semaine, vous pourrez faire plus de 35 heures par semaine parce qu'il n'y a pas de loi qui vous impose un plafond d'heures. Vous avez envie de faire 50 heures par semaine, vous ferez 50 heures par semaine. Alex, tu fais combien d'heures par semaine ? On les compte plus. Ah, t'as réussi à te libérer 2 jours ? Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bravo. Donc voilà, on a fait le tour des différents régimes avec vos différents besoins. Donc normalement, on a dû ratisser le plus large possible et vous devez avoir les réponses en fonction de vos besoins. Mais il se peut que certains d'entre vous soient différents de ce que je viens de vous présenter. Alors, si certains d'entre vous sont différents, je vous propose éventuellement de commencer les questions. Il est 14h54, on a commencé à 14h30, on a donc à peu près un quart d'heure si vous avez des questions précises. On essaye de rester dans le cadre le plus possible. Oui, je pense que c'est la question que là tout le monde va se poser là. C'est donc cette fameuse niche fiscale de l'auto-entrepreneur. Donc je pense que tout le monde se pose la question, comment ça se passe ? Merci Christophe Patz. En fait, je l'ai marqué sur... C'est un peu marqué partout parce que si je me perds, si j'oublie, c'est déjà fait.
tu passeras à la comptabilité chercher ton chèque après. Alors, cette niche fiscale, comment ça se passe? En tant qu'auto-entrepreneur, déjà, vous avez des astuces qui vous permettent notamment d'avoir l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, et qui permet déjà de réduire énormément les cotisations sociales que vous pouvez avoir à payer au démarrage de votre activité. Il y avait une question de Preston. Non, je te laissais terminer ta question. Si j'ai des questions, moi j'en ai des tas, mais je préfère laisser la parole au public. Tu les gardes? Tu les gardes de côté? Alors, non, parce qu'il faut quand même que je te... Sinon, tu vas repartir frustré. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu passes au régime du réel, et c'est ça l'astuce, quand tu passes au régime du réel, tu peux déduire tous tes frais que tu dépenses, les baskets que tu achètes, le petit matériel que tu achètes, tes déplacements pour aller te former, les frais de voyage, les frais d'hôtel parce que tu es parti te former ou que tu es parti voir un client. Tu peux déduire tous les frais qui sont dans le cadre de ton activité. Mais c'est pas tout. Tu peux même déduire des frais, et ça c'est la législation fiscale qui le dit, tu peux même déduire des frais que tu n'as pas dépensés. Et c'est pour ça qu'on est dans une niche fiscale. Mais par contre, le répéter à personne, parce que si l'administration fiscale savait qu'aujourd'hui on avait une conférence comme celle-ci et que je vous laissais entendre que c'était vachement intéressant, ils pourraient fermer le robinet. Donc personne ne le dit, hein. Vous le gardez pour vous. Écoute bien pourquoi c'est aussi une niche fiscale. Tout simplement parce qu'en tant que travailleur indépendant, aujourd'hui, toi, tu es sous l'article 293B du Code général des impôts, si tu es auto-entrepreneur. C'est-à-dire que tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas de TVA. Il n'y a pas de TVA sur tes factures. Bien. Demain, quand tu auras dépassé les 33 200 euros, si certains d'entre vous sont en auto-entrepreneur et si vous dépassez les 33 200 euros de recettes, vous allez être soumis à la TVA. Ça veut dire que sur 60 euros, vous allez devoir reverser 10 euros à l'État. Sur 60 euros, vous devrez reverser 10 euros à l'État. Et c'est valable effectivement entre le... C'est le delta entre 33 000 euros et 70 000 euros qui est le plafond actuel. Et cette TVA, on le paiera sur le delta, c'est-à-dire entre la différence entre 33 000 et 70 000 euros, et non pas sur les 33 premiers 1 000 euros. C'est-à-dire que ce que Preston veut dire par là, c'est qu'une fois que vous avez atteint les 33 200 euros, vous commencez à devoir mettre tout de suite, à partir du 33 201e, en réalité 35 201e, euros, vous devez commencer à mettre la TVA sur vos factures. Donc ça veut dire que si vous étiez soumis à TVA, sur 60 euros que vous toucheriez, vous devriez redonner 10 euros aux impôts et il vous resterait 50 euros. Aujourd'hui, grâce à cette niche fiscale, 60 euros, eh ben c'est 60 euros pour toi. Vous n'aurez rien. Seigneur. La cotisation foncière des entreprises, ça, je pense que ça fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux, la cotisation foncière des entreprises. Qui parmi vous a payé la cotisation foncière des entreprises? D'accord. Bon, elle se situe entre 200, merci, et 1000 euros par an, hein, entre 200 et 1000 euros par an pour un auto-entrepreneur. Il faut savoir que la cotisation foncière des entreprises, certains sont amenés à la payer, d'autres pas. C'est bizarre. Eh bien, certains utilisent le bon texte et d'autres pas. Voici pourquoi... On est dans une niche fiscale. Tout ce que les autres payent, nous, on peut parfois ne pas les payer. Et des questions? Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, effectivement, tu as absolument raison, de pouvoir cumuler plusieurs de ces statuts. Vous pouvez être et auto-entrepreneur et dans un autre club être salarié. Vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez faire du personal training en tant qu'auto-entrepreneur et faire, par exemple, des cours collectifs ou du plateau musculation ou du personal training dans un autre club, dans une autre structure en tant que salarié. Vous pouvez combiner tout ce qu'on a vu. Et vous pourriez même être en plus associé d'une SARL ou d'une SASU ou d'une société sans aucun problème. J'ai répondu à ta question?
qu'il est possible d'être salarié et travailleur indépendant dans la même structure? C'est une excellente réponse. Moi, je dis, c'est l'Oscar numéro 5. Voilà. Est-ce qu'on peut être salarié et auto-entrepreneur dans la même entreprise? Et ça, on en avait parlé sur les deux derniers salons Body Fitness, hein, le 29e et le 30e, c'est-à-dire l'année dernière et l'année d'avant. J'y réponds quand même parce que c'est très important. Et aujourd'hui, Dieu seul sait, c'est un blasphème, je vais aller me flageller après. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, quand vous prenez le groupe emploi professionnel de la forme, vous connaissez probablement le groupe emploi professionnel de la forme sur Facebook, 10 000 membres, hein, c'est-à-dire les deux tiers des clubs français sont dessus et les deux tiers des coachs français sont dessus. Emploi professionnel de la forme France. Il n'y a que des coachs, il n'y a que des clubs. Il n'y a pas de vendeur de protéines, il n'y a pas de vendeur de lunettes. Il n'y a que des coachs, il n'y a que des clubs. On s'aperçoit que sur 10 annonces, vous en avez 9, 8, 9 qui sont des offres d'emploi et seulement 2 des demandes d'emploi. Donc ça veut dire que déjà on est dans une carence en termes de coach. Mais on s'aperçoit aussi, c'est ça qui est très intéressant, c'est que majoritairement on demande que les personnes soient auto-entrepreneurs. Alors on est face à un problème juridique qui est unique en Europe, c'est le problème du lien de subordination. Ce qu'on appelle en termes de droit social le lien de subordination, c'est-à-dire d'avoir au-dessus de soi quelqu'un qui va nous donner des ordres et des consignes à appliquer. On va être son subordonné. Et même si on est auto-entrepreneur, à partir du moment où on a des consignes qui viennent du haut, au-dessus de nous, qui nous imposent quelque chose, on est sur ce lien de subordination. On est considéré non plus comme un auto-entrepreneur, même si réellement on est auto-entrepreneur, on est considéré comme un salarié. Et s'il y a un contrôle URSSAF qui intervient, et il y en a eu hein, dans les clubs, hein, qui intervient, un contrôleur URSSAF qui intervient dans le club, eh bien, vous risquez d'être redressé parce que, enfin, pas vous, mais le club, et de devoir payer des cotisations et d'avoir, s'il y a beaucoup de salariés, un genou à terre. Parce que, d'un point de vue trésorerie, quand un club se fait épingler, ça fait très très mal. Et le contrat, effectivement, est modifié, ça devient un CDI, ça devient un CDI. L'auto-entrepreneur, effectivement, lorsqu'il est dans cette situation-là, ça devient CDI, le contrat. Avec toutes les, effectivement, comme tu disais, les cotisations de retard qui seront à payer aux URSSAF. Ma question était plutôt dans le sens, si on est salarié, admettons, pour faire tout ce qui accueille, et qu'on fait, on est indépendant pour les cours collectifs ou les interventions sur le plateau muscu. Eh bien, ça sera reconsidéré également comme un statut de salarié s'il y a un contrôle URSSAF. Il y a 90 chances sur 100, voire 99 chances sur 100, parce qu'il y a quand même des clubs qui ont eu des contrôles et qui sont passés à travers. Mais le statut sera reconsidéré comme un statut salarié parce qu'on considère que quelqu'un qui est à l'accueil, qui reçoit des ordres, et quelqu'un qui va faire même notre travail au sein du club, comme s'il était à l'accueil, c'est presque pareil, c'est pas le même job, mais on a quasiment des directives qui sont similaires, et là on sera reconsidéré. Et il y a des clubs en Ile-de-France qui ont été épinglés, et aussi un peu partout en France. Hein. Généralement c'est plutôt sur la partie ouest de la France, Bretagne, sur la partie basque, sur la partie sud, PACA. Il y a quelques cas qui sont assez sympas. Et puis, en Ile-de-France, il y a quelques grands cas qui sont très, très connus et qui, justement, font jurisprudence. Ouais. J'ai répondu à ta question cette fois-ci. J'ai répondu à ta question. Merci. Bonjour, j'ai une question. En fait, je voulais savoir, je suis fonctionnaire et je sais que je n'ai pas le droit de cumuler le statut d'auto-entrepreneur. Étant donné que je suis fonctionnaire, je voulais savoir quelles possibilités j'ai. C'est la loi qui passait en janvier 2017, la loi de déontologie, et je voulais savoir quelles possibilités j'ai pour continuer mon statut de coach ou autre. Tu es fonctionnaire dans quel secteur? De l'enseignement? Territorial. Éducateur territorial? Non, je suis dans la comptabilité, mais je suis territorial, donc c'est pas la.
Donc, c'est la fonction publique territoriale. Donc c'est quoi? C'est la commune ou c'est le département? C'est un syndicat. C'est un syndicat. Je suis à temps plein. Oui. Quand on est à temps partiel, on peut cumuler justement le statut d'auto-entrepreneur quand on est à temps partiel, mais je suis à temps plein. Ah, bon. C'est un peu bizarre, mais effectivement, il y a eu des lois qui sont passées là-dessus. Alors, dans l'enseignement, par exemple, parce que dans l'enseignement, ils sont dans le même cas que toi, il faut absolument qu'il y ait une demande qui soit faite au rectorat et qu'il y ait un accord du rectorat. Pour les services de police, pour les fonctionnaires de police, c'est la même chose. Dans ton cas, il faut que tu aies un accord de ta direction. Mais après, on ne peut pas avoir le statut de l'entrepreneur. Ça reste interdit. Il faudrait que presque pour... ce qu'elle a dit, c'est je ne peux pas avoir le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est interdit. Alors, je connais des cas de policiers qui justement se sont mis, ont essayé de, si tu veux, de passer outre et de faire l'anguille, et se sont mis en SARL, en société, ou en SAS. Ça se voit pas, ça se voit moins. D'accord, mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir de créer son entreprise non plus quand on était fonctionnaire. C'est pas, ils ont justement, tu vois, ça ne se sait pas. Je dis pas que c'est légal, hein. Je dis pas qu'ils sont dans le bon chemin. Qu'est-ce qui a évolué depuis le 1er janvier 2018 sur le statut de micro-entrepreneur? Tu parles d'un point de vue lien de subordination? Non, on a évoqué effectivement la... comment ça s'appelle, les limites de revenus entre 32 000 et 70 000 euros, en précisant qu'effectivement, au-dessus de 32 000 euros, on était soumis à la CDA. Mais il y a également d'autres évolutions sur le statut, comme le RSI par exemple, les jours de carence quand on est maladie. L'ACRE, tu l'as évoqué. Ce qui a changé réellement, c'est la fusion. Enfin, il y a plusieurs changements. Il y a le plafond dont on parlait tout à l'heure en tant qu'auto-entrepreneur, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui l'étaient déjà depuis avant le 1er janvier 2018. Le plafond est passé de 33 200 à 70 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez rester plus longtemps auto-entrepreneur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, gros bouleversement, c'est la fusion du RSI avec l'URSSAF. C'est-à-dire que le RSI a été absorbé par l'URSSAF. Parce que le RSI, c'était une tannée pour beaucoup de travailleurs indépendants. Ça restera quand même une tannée parce que, quelque part, globalement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais on croise les doigts et on serre les fesses, ou l'inverse. Si effectivement, maintenant, le RSI est supprimé, remplacé par la régime générale, donc, il y a quelques évolutions effectivement sur ce sujet-là. Effectivement, il y avait les jours de carence. Avant, un auto-entrepreneur au RSI, il avait 3 jours de carence, ou il en a 7, ou c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a évolué également? Et ce qui a évolué également, c'est il y a une époque lorsque l'on dépassait le plafond. Donc, j'avais un plafond de 32 000 euros, je dépassais le plafond. Tout de suite, l'année suivante après, j'étais dans l'obligation de changer de statut. Maintenant, il y a une période de carence. Je crois qu'elle est de 1 an ou 2 ans. Ouais. Il y a cette période de carence qui permet effectivement d'adapter ses capacités financières au changement de statut. Donc, vous pouvez rester, ce que veut dire Preston, c'est que vous pouvez rester pendant 2 ans au-delà des 70 000 euros, mais après vous serez obligé de passer sous le régime du REM. Celui où on peut passer sur la niche fiscale. On peut très très bien décider de passer en réel avant d'avoir atteint ce palier. C'est une question d'option. La seule chose, c'est que ça doit se faire à partir du 1er janvier de chaque année, mais jamais en cours d'année. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, là par exemple certains d'entre vous sont auto-entrepreneurs, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien vous ne pouvez pas décider demain, par rapport à ce que je vous ai dit, de dire « Oh là là, j'étais auto-entrepreneur, je vais déduire toutes mes charges, vite, je passe dans le régime du réel. » Non, il faudra attendre le 1er janvier 2019. On ne peut pas passer en cours d'année. Il y a également pour les femmes enceintes la possibilité d'avoir un congé maternité, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis également... Il reste 30 secondes. Tu as parlé du régime réel et de la déclaration contrôlée. Je pensais que c'était pareil les deux. Le régime réel, ouais. Alors, je parle de régime réel et je parle de déclaration contrôlée. En fait, effectivement, c'est une très bonne question. Je suis l'administration fiscale. J'ai mon jargon. J'appelle ça la déclaration contrôlée. Je suis l'URSSAF, j'appelle ça le régime réel. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Ce n'est qu'une question de jargon. Déclaration contrôlée pour le fisc, régime réel
pour l'URSSAF, c'est la même chose. C'était la question ? Ça, c'était un peu ambigu ? Voilà, donc vous avez la réponse. C'est bon, Nathalie ? Bien, merci pour cette intervention, pour cette très bonne intervention.